Bonjour à tous, voici une petite vidéo sur ma sirène, mes sirènes numériques, mais cette fois-ci avec Natini, dont là il y a la grande sœur avec une Uno, évidemment il y a plus de possibilités. J'utilise pour générer les sons la PWM, le timer 1, et puis tout simplement le port B, puisque je sors sur la broche sur PB4. J'ai mis un petit transistor parce que j'avais plus d'autres transistors pour faire un ampli un peu plus correct, mais bon, ça ira très bien, donc on peut régler le volume. Là je suis en mode mute. Voilà. Donc je peux baisser le son. Ça c'est la première, je crois qu'il y en a. Il y a 17, je crois, 17 sirènes, et j'ai encore un peu de place pour en mettre encore 3-4, on va dire. Donc, par exemple, la grande sœur, voilà, on a le même son. Ok, on va rester sur la Tini. Faire ça aussi. Celui-là est angoissant, je trouve, j'adore. Pour chasser les moustiques, peut-être celui-là. Là, ils viennent me chercher. Celle-là est énervante. Et je crois que c'est la dernière après. Non, c'est l'avant-dernière. J'adore celle-là. Le timer, celle-là. Voilà. Les boutons pulsors sont gérés par des interruptions de changement de broche parce que sinon ça le faisait pas. Il y a BP plus, BP moins, et puis pour la mettre en veilleuse. Voilà, donc je vais encore faire, je sais pas, 3-4 sirènes, et puis après ben, la Tini il sera plein. Là je suis à 75% de flash, 14% de SRAM. Voilà. Dernier petit truc, en fait, le programme, bien sûr, les sirènes défilent avec le bouton poussoir en avant, en arrière, mais elles sont faites aussi. Comment dire, chaque sirène peut être copiée-collée par exemple, dans un programme qui fait une alarme. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et puis bon, là pour les effets avec une seule LED. C'était pas facile. Voilà.